Alors Belenki, lui, est maintenant allemand. Il vient de l'Azerbaïdjan et puis il s'ennuyait beaucoup du côté de l'Azerbaïdjan. Il a trouvé refuge à Stuttgart et désormais, eh bien, il représente l'Allemagne. Belenki, grand spécialiste également à cet agrès, qui a été champion du monde en 91, ne l'oublions pas, même si c'est un tout petit peu loin. Il est moins performant depuis qu'il est en Allemagne, mais il reste tout de même un sérieux client pour Poujade. Hein. Bon, surtout une morphologie un petit peu moins adaptée à cet agrès. Non plus. Ah, il a du rythme. Hein. Voilà, un joli mouvement, mais qui n'est pas inquiétant. Vous pensez? Absolument. Enfin, je vous fais confiance, hein, c'est votre appareil. Hein. Il l'a, voilà. Et oui, ça manque un peu de finition. Voilà, les points de pied sont pas parfaits. La sortie un peu lourde. Belenki, allez, ce n'est pas du tout inquiétant. Pas du tout inquiétant. Poujade est toujours deuxième. Mais il reste Marinic, un Ukrainien. Il reste un Chinois, Wang. Un Roumain. Pardon, un Américain, Mark Chone. Ça va être. Très serré. On se demande ce qu'a fait vraiment le petit Roumain Marius Urzica.